Le ballon est passé pour Khadidia Toudiani. L'accélération de Diani. Il y a Selma Bacha, la retombée, la frappe de Bacha. Le ballon est contré. Eugénie Le Sommer. Oh, c'est magnifique! Quel enchaînement d'Eugénie Le Sommer qui lance parfaitement ce choc. Finition. La finition est parfaite. Alors c'est vrai qu'elle s'y prend à deux fois, mais elle a la lucidité, Selma Bacha, parce que c'est vrai qu'on voit son tir. De Sandrine Soubéran, offensivement, elles se sont procurées des occasions. C'était plus compliqué en seconde période. Julie Dufour aussi a baissé un petit peu d'intensité de pied, et c'est normal. Mais oui, j'ai trouvé Mathilde Bourdieu un petit peu en dedans, Clara Matteo aussi, notamment sur ce match-là, pour pouvoir vraiment faire la différence et espérer. Oui, c'est sûr que en plus, elles prennent... les buts coup sur coup, donc déjà le premier but, deuxième minute de jeu. Khadidiani, elle a vu Carpenter dans son dos, le centre de l'Australienne. Le ballon revient sur Dumornay. Oh, le crochet de Dumornay, le centre est beau aussi. Eugénie Le Sommer pour le doublé. Le doublé de la numéro 9 de l'Olympique Lyonnais. Lyon, juste avant la pause, frappe très très fort. Et mène 2 buts 1, 3 buts 1. Il y a eu de la passivité là dans la défense du Paris FC. Eugénie Le Sommer ne peut pas se retrouver comme ça, toute seule. Le ballon mal renvoyé par les Parisiennes. Et ça peut aller très très vite avec Dumornay. La frappe de Dumornay juste au-dessus. Il y avait la puissance, ça manquait de précision. Ouais, un peu de justesse, hein. À l'image de son début de match. Qui peuvent faire doublement le break. Dumornay encore, la frappe enchaînée, elle tente tout, l'attaquante haïtienne de l'Olympique Lyonnais, mais pour l'instant sans réussite. Alors de cette première période, il y a déjà beaucoup de choses à dire, alors qu'on va avoir peut-être une dernière offensive pour le PFC avec Clara Matteo, Tiné et Victoria Beyer qui sifflent la fin de cette première période. L'Olympique Lyonnais mène 3 buts 1 grâce à un doublé d'Eugénie Le Sommer, dont un but somptueux et un but d'Egerberg. 57 secondes de jeu et là elles prennent à nouveau ce quatrième but tout de suite en début de première période. Une mauvaise relance de Célina Oldossine, le très bon ballon hein, au second poteau, et ensuite encore une fois c'est Khadidiani hein, qui est là à la passe décisive, et le sang froid d'Ada Egerberg pour marquer ce quatrième but. Sérieuse ces Lyonnaises, et ici elles ont une nouvelle opportunité avec Lynn Sehoran. Le crochet Dufour, il y a l'appel de Mathilde Bourdieu. Elle tente sa chance de loin. Ellie Carpenter était... Endler était avancée. Ça termine sur la barre. Ça, c'était une bonne inspiration de Julie Dufour. C'est passé tout proche. Ouais. On voit, elle lève la tête. Hein. Julie Dufour, elle voit Christiane Endler avancer. Son ballon est quasi parfait hein, de la part de la néo-internationale. Et elle est passée une nouvelle fois, Julie Dufour, avec ce centre. Oh, mais c'était magnifique ce qu'avait fait Mathilde Bourdieu. La barre une nouvelle fois touchée par les Parisiennes, ça revient. Oh là 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 là, quelle double séquence parisienne. Ouais, c'était une magère hein, de la part de Théa Gréboval. Regardez, hein, magnifique l'inspiration de la défenseur du PFC. Ensuite, c'est Julie Soyer qui s'essaye de loin, qui avec cette frappe contrée, touche encore les montants. On la voit souvent plutôt sur le couloir droit, mais... Et c'est là, en jeune, qu'elle est venue travailler devant Nadosi pour ce ballon pour Dabrit. La frappe à terre et le cinquième but pour les Lyonnaises. Les entrantes ont frappé. Sonia Bonpastor a fait les bons choix. Amel Majri sert Vicky Béchaud, sert Sarah Dabrit. Vicky Béchaud sert Sarah Dabrit et ça fait que c'est un but 1. De l'Olympique Lyonnais. Il y a d'abord ce bon ballon en profondeur. Vicky Béchaud qui continue de faire l'effort. Ce ballon relâché par Nadosi. Hélas pour les Parisiennes. Et ensuite ce sang-froid pour Vicky Béchaud de donner le. Théa Gréboval. Cette fois-ci c'est au-dessus. Elle a cherché le côté opposé. Trois Parisiennes autour d'elle. Elle s'en est sortie, Vicky Béchaud. Et elle trouve Ellie Carpenter. Carpenter, c'est le bon 1-2 avec Marozane. Carpenter, oh la tête de Dabrit, l'Allemande tout proche du doublé. Ouais, il n'était pas facile hein, à maîtriser hein, ce ballon de la part de Dabrit, très fort. Mais le relais hein, était parfait entre Marozane. La concurrence est rude. Le corner lyonnais, la double tête et le voici, le sixième but. Pour l'Olympique Lyonnais, l'addition est lourde, trop lourde pour le Paris FC. Il manquait ce soir un but de la capitaine. La saison
et qui vient clore une très très belle partie de l'OL. Et oui, c'est elle. Il y a cette remise, hein, très bonne remise de la part de Damaris Gurola et ensuite Kadi. Alors que là, on va quand même se battre jusqu'au bout. Ouais, trop peu d'occasions hein, pour les joueuses de Sandrine Soubeyran en seconde période pour pouvoir vraiment essayer de... L'efficacité de ses buteuses, Jenny Le Sommer, Ada Egerberg, Kadi Diani qui a aussi marqué ce soir, ajouté à cela un but de Sarah Dabritz. Et l'addition est très salée pour les joueuses de Sandrine Soubeyran. Victoire de Lyon, 6-1 qui prend la tête ce soir du championnat. Le Paris FC a encore du boulot pour aller chercher cet Olympique Lyonnais. A frappé un grand coup ce soir en D1 Arkema. Oui, forcément, on savait que c'était un grand match. On sait que Paris FC sont fait un très bon début de la saison. Après, on était bien préparés, je trouve, même si on a une semaine courte avec des internationales qui sont revenues très tard. Je trouve qu'on est sérieuses et je pense qu'on montre une belle image. Et le meilleur, c'est que je sais qu'on a encore plus dans les jambes pour l'avenir. Et vous avez vécu une soirée parfaite. Ada, titulaire, double buteuse ce soir face au Paris FC. Racontez-nous comment vous vous êtes sentie sur le terrain de Charletti. Mieux en mieux. Ça fait du bien de débuter encore parce que ça change quelque chose. Je suis bien dans l'équipe. L'équipe, elle est bien aussi et je sais qu'on peut que s'améliorer. Donc, tu prends beaucoup de plaisir de jouer ensemble parce qu'il y avait quand même des belles combinaisons aujourd'hui. Et non, c'était une très belle soirée. On va continuer à se lancer encore meilleur sur la suite. Et ça se voit sur votre visage avec votre sourire. Merci beaucoup, Ada. L'Olympique Lyonnais qui reprend seul en tête le championnat.